wanna ride with me. She wanna ride with me. Cause you know I get down, baby. She wanna ride with me. She wanna ride with me. She wanna ride with me. Cause you know I get down, baby. You know how I ride hitting corners. The OGs in the hood try to warn us to watch out for these suckers when your wrists stay icy. On the dance floor, all the ladies like me. Make them fall in love and kiss the swag. Just to have my babies in a Fendi bag. No refunds, you can keep the check. Cause I'm a stunner, ain't no wonder why my phone's mad. She wanna ride with me. 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 Cause you know I get down, baby. She wanna ride with me. She wanna ride with me. She wanna ride with me. Cause you know I get down, baby. Let the rims keep on spinning. Home team, no L's, keep winning. Whoever wants smoke, I'm with it. Down for whatever, but the squad, no switching with me. Et voilà, donc les nouveaux protagonistes de ce main event, Titan Shy et Cédric Toulmé.
c'est sûr que le MMA arrive avec, avec ses grandes bottes. Ça va faire un petit peu de mal au sport pied-point, mais après ça va se rééquilibrer. Parce qu'il y a des puristes dans toutes les disciplines, il y a des puristes en MMA, mais les spectateurs et les puristes pied-point sont encore là, et bel et bien là, et bien ancrés dans la sphère des sports de combat. À un mois, on était au Havre avec quand même Jérôme Le Banner. Là, moi qui suis fan des sports pied-point, là, il y a Cédric Doumbé, 11 fois champion du monde de kickboxing, champion du Glory, et j'en passe. Donc, tant que puriste des sports pied-point, j'attends de Cédric une victoire. Enfin, une victoire. Après, attention, parce que je connais très bien Title Shy, je l'expliquais sur le GFA. Mais Cédric, voilà, il a un pied-point tellement hors norme. Ça va être un combat très difficile pour Title Shy, même si lui, Title Shy, à la base, lui également, vient du Muay Thai. J'attends un combat explosif. Et généralement, quand on appelle quelqu'un à 3 jours d'un combat, il a rien à perdre. Il a tout à gagner. S'il perd, on dira, c'est normal, il a pris Doumbé. S'il gagne, ça va être la vedette, ça va être la star. Donc, j'ai envie de dire, il n'a pas vraiment de pression, si ce n'est d'affronter un cador des sports pied-point. Cédric nous a annoncé victoire au premier round. Je suis pas loin de penser comme lui. I'm not catching fades anymore. Gotta keep my hands clean when they come for the ball. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. C'était mon premier combat en cage, effectivement. Mon deuxième combat en MMA et mon premier combat en cage. Sensation, en fait, étant donné que je me suis préparé en Irlande et qu'il y a déjà une cage officielle dimension UFC comme celle-ci, en Irlande, j'étais pas trop perturbé en fait. C'était plus la proximité du public qui me faisait un peu d'effet. Mais sinon, la cage, non, je suis à l'aise dans la cage. Visionnage de nombreux UFC sur YouTube, j'ai vu comment Owen Roddy, qui était le second coach de Conor, l'entraînait, lui tenait les palettes, lui donnait la leçon. Je me suis dit pourquoi pas. Et la proximité aussi avec l'Irlande, la France et l'Irlande, je me suis dit c'est à côté, pourquoi pas. Et je suis allé tester, franchement j'ai beaucoup appris en 2 semaines. Je me suis dit allez, premier training camp, je le ferai là-bas. À 76 kg et 900 grammes. Il a 2 combats, 2 victoires, 1 par soumission et 1 décision. Il est né à Chiang Mai en Thaïlande de l'Adrenaline Fight Team. Dans le coin rouge, 29 ans, 1m77. Accusant 77 kg 400 à la pesée. 11 fois champion du monde de kickboxing, champion du Glory. En sport pied-point, il a 82 combats, 75 victoires, dont 46 par KO. En MMA, 1 combat, 1 victoire par KO. Né à Douala au Cameroun, monsieur Cédric Fetes. Touchez les gants si vous souhaitez retourner à l'écoute. Stop!
Alors en France, je m'entraîne avec Mehdi Hockman au KFBC Clichy, qui est un club de grappling, de kickboxing, etc. Et je fais du grappling moi avec Mehdi Hockman, et c'est là où j'ai appris, mais c'est lui qui m'a formé, on va dire, au sol. Et mais après, c'est pas un coach, c'est pas du MMA qui fait Mehdi, c'est vraiment du grappling, et j'en ai besoin. Et donc, je suis allé en Irlande pour compléter ça et pour avoir un vrai training camp. En fait, si vous voulez, là, c'était vraiment la première fois que je m'entraînais en MMA. C'est mon premier training camp en MMA. Et les gens pensaient que ça faisait peut-être un an ou deux ans que je m'entraînais en MMA. Pas du tout. Je m'entraîne en grappling et là, c'est la première fois que je m'entraîne en MMA. Deuxième reprise.
kiss the swag. Just to have my babies in a Fendi bag. No refund, you can keep the check. Cause I'm a stunner, ain't no wonder why my phone's too bad. La première fois que je fais mon MMA dans une cage, c'est pas la première fois que j'éteins quelqu'un, mais c'est la première fois que je fais mon MMA. Je suis très suivi sur les réseaux parce que je pense que les gens aiment la personnalité aussi. C'est vrai que je suis taquin et je me prends jamais au sérieux et les gens aiment bien. On aime tous quelqu'un qui se prend pas au sérieux, on n'aime pas les gens qui se prennent trop au sérieux. Et après, je dirais pas que j'ai un énorme succès non plus, j'essaye juste de partager ce que je sais faire. Sans le public, franchement, ce serait pas agréable de boxer dans une salle vide. Je l'ai fait pendant Covid. C'est pas agréable du tout, je pense qu'on a besoin des supporters, des gens qui nous aiment bien, qui nous rendent tous les efforts qu'on fait, tous les sacrifices qu'on fait, eux ils nous le rendent bien dans une soirée comme celle-ci. Clairement, pour être un champion, il suffit pas juste d'être bon à la salle ou dans la cage, non, non, non. Pour être un champion, on l'a bien vu avec des mecs comme Conor McGregor, comme Mike Tyson, comme Mohamed Ali, c'est à l'intérieur et à l'extérieur, que ce soit bénéfique ou néfaste, hein. Néfaste Conor McGregor, bénéfique Mohamed Ali qui a galvanisé des peuples entiers, qui a été un exemple pour beaucoup de personnes dans le ring et à l'extérieur. Conor McGregor qui a été un exemple pour beaucoup de personnes dans la cage, à l'extérieur un peu moins. Mais toutes les frasques qu'on a vues à l'extérieur, c'est ça qui... Tout ça fait de lui le champion qu'il est aujourd'hui. Je me vois Floyd Mayweather, Mohamed Ali. Floyd Mayweather pour le show, et Mohamed Ali pour les valeurs humaines, on va dire. Le combat est en 77 et aujourd'hui j'étais à 84 kilos. Comme tout le monde me le dit à chaque fois, je pourrais descendre à 70. Mais c'est tellement difficile, c'est la pire chose, la perte de poids, donc j'ai pas vraiment envie de le faire. Je me sens bien à 77. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, après cette victoire, on va recevoir le contrat UFC et puis on va signer et puis en septembre, on se revoit dans la cage.